Que l'Esprit m'a donné. Ben, c'est là où j'ai trouvé l'avantage de prier l'après-midi parce que c'est. Je voudrais que je reçois un enseignement juste pour les 5 semaines, je reçois en une nuit. Alors j'étais jusqu'à 5 heures du matin debout. Alors ça me faisait plaisir de dormir quand même jusqu'à midi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous voyez que même si on recule l'heure, le temps court tellement vite que l'ennemi essaie de vous mettre un peu en retard. Alléluia. Le Seigneur est vivant, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Comme par hasard, j'ai découvert aujourd'hui que la technologie commence à me rattraper. J'ai vu que, je ne sais pas qui a mis une Bible ici, là, mais c'est tellement bien fait. Ah, mais de temps en temps, je peux commencer à mieux répondre. J'espère que je vais m'adapter. Je vois le frère Dumé en train de sourire. Amen. Alléluia. Je suis très difficile à changer les habitudes. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Shmanakaya. Que son nom soit béni et soit exalté. Oh, ma chikamare, kamere, koshmanakaya. Alléluia, 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 alléluia. Si ça me distrait, je le jette dehors. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Beaucoup de sourires parce que nous entrons dans quelque chose de très, très bon, l'enseignement que nous commençons aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous prenons nos Bibles. La Genèse, chapitre 13. Alléluia. Malheureusement, les gens qui m'ont demandé de faire cet enseignement, le juste était arrivé. Je ne vois pas ce temps ici. Ils vont le suivre, c'est un bon enseignement. C'est toujours prophétique ce que nous enseignons. Alléluia. Abraham remontant, et on va d'abord se mettre debout pour bien pour la parole, s'il vous plaît. Alléluia, nous te donnons Bible du nom Père Céleste. Je bénis ton Saint-Nom. Je suis venu en ce lieu pour écouter ta parole. Aujourd'hui, je veux honorer ta parole en l'écoutant, en le recevant avec foi. Je sais qu'il est écrit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je crois que je vais être affranchi aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et que ta parole soit bénie. Au nom de Jésus-Christ, on va ainsi prier. Amen. Alléluia. Nous prenons le bénin. Genèse chapitre 13, je lis. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeau. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était la tente du commencement entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi les brebis et les bœufs. La contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car l'herbe était si considérable qu'ils ne pouvaient plus demeurer ensemble. Une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers du troupeau de Lot.
Et Cananéens et les pharisiens habitaient alors dans les pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes un frère. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi, va à gauche et j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot s'éleva, vit toute la plaine de Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à toi, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui dans toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est-à-dire qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Alléluia. Amen. Seigneur, merci encore de bénir ta parole, de nous donner cette révélation de ta parole par rapport à ce que tu as mis dans nos cœurs, ô Dieu. Saint-Esprit, merci encore de bénir. Alléluia. Amen. L'enseignement d'aujourd'hui, vous voyez, j'ai souligné sur le mot, nous allons retourner un peu à Genèse chapitre 12. Nous allons parler aujourd'hui de Lot. L-O-T ou L-O-T-H. Alléluia. Amen. Lot. Quand vous entendez parler de Lot, beaucoup d'entre vous croient que c'est un méchant. Beaucoup d'entre vous aussi croient aussi que c'est quelqu'un qui ne marchait pas bien. Alléluia. L'enseignement est très profond. Va vous éclaircir par rapport à Lot. Nous allons commencer au verset 13. Parce que le clou de la séparation, on peut titrer l'enseignement autrement, la bénédiction de la séparation. Alléluia. Une bénédiction qui vient après des fois la séparation. Alléluia. Nous ne parlons pas de division. Nous parlons de la séparation. Parce qu'on peut être séparé de quelqu'un sans être divisé avec quelqu'un. On peut être séparé de quelqu'un tout en étant une bénédiction pour la personne. Alléluia. Le titre de l'enseignement, je dis, Lot, un frère bien-aimé. Mais. Alléluia. Lot, un frère bien-aimé. L'autre injuste, mais il y a un mais. Alléluia. Amen. Quand vous allez lire dans vous séduisez dans le dictionnaire, le mot l'autre signifie voile, signifie ouverture. Vous savez, les mots de la Bible ont une signification. Amen. Dieu a changé le nom d'Abraham. Abraham pour le père de père d'une multitude. Et il est effectivement le père d'une multitude. L'autre veut dire voile, veut dire couverture. Un autre veut être pour toi. Ton frère, peut-être ta soeur, peut-être ton neveu comme l'autre était pour Abraham, peut-être un ami, peut-être une personne avec qui tu as une relation, mais dont la relation va être dommageable. Pas parce que la personne ne s'est pas mauvaise, mais parce que la vision de la personne par la vie ne coïncide pas avec ta vision de la vie. Alléluia. C'était l'enseignement important. Je commençais par cette mise à jour et dit que l'autre, comme beaucoup de gens croient, n'était pas un méchant. Quand on dit, j'attends ce manque avec l'autre, il y a vie dans la gazon, c'est quelqu'un qui me fait trouver de mal. Non. L'autre peut être la personne la plus gentille, mais c'est une personne qui n'a pas la révélation. C'est une personne qui n'a pas la sagesse spirituelle. Par cela, ta vie va être comme un ombragé. Parce que l'autre amène son ombre partout. Alléluia. C'est un enseignement, je crois que je vais parler 4, 5, c'est un enseignement profond pour les chrétiens, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont jamais. C'est la première fois que je reçois cet enseignement-là. Vous allez voir comment est-ce que la Bible parle de ce bénéfice par rapport à cette séparation qui est dans la Bible. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On commence par ce qu'on a déjà appelé une mise à jour. L'autre est un homme juste. Amen. Était un homme juste. Quand vous allez dire, allez voir, alors dans 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. Je commence par là pour vous montrer que l'autre n'était pas un méchant. L'autre n'était pas un filou. Parce que Dieu ne pouvait pas aller à Sodome et Gomorrhe sauter quelqu'un qui marchait, qui était méchant. L'intention d'Abraham ne pouvait pas marcher pour l'autre. Nous allons voir ça tout à l'heure. Si l'autre, c'est quelqu'un qui vivait en désordre. Alléluia. Mais c'était quelqu'un, c'est le prototype, je peux dire, d'un chrétien charnel, un chrétien qui n'a pas la sagesse, un chrétien qui ne comprend pas. Parce que quand il manque la sagesse, les conséquences des manques de sagesse dans la vie sont aussi. Évidente que les conséquences des chrétiens commettent les péchés. Allez, amen. La Bible, c'est un livre de sagesse. Amen. Manquer la sagesse, ce n'est pas un péché, mais tu manques un bénéfice que Dieu a donné. Alléluia. On va entrer en détail avec cela. C'est très profond, c'est que Dieu. Non. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai bénissé cette oreille, ils ont changé ici aujourd'hui, parce que j'ai eu le temps de bien préparer l'enseignement. 2 Pierre 2, verset 7. Alléluia.
Amen. Quand vous avez dans 2 Pierre, il dit, verset 6, si la condamnée à la destruction réduit au sang les villes de Sodome et Gomorrhe, en les donnant comme exemple aux impies à venir, il a délivré les justes de Lot, profondément attristés de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car ces justes habitaient au milieu d'eux, tourmentaient journalièrement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et ce qu'ils entendaient et ce qu'ils entendaient de leurs œuvres criminelles. Amen. Et puis l'apôtre des justes, Dieu s'est délivré de l'épreuve de l'homme pieux et s'est réservé aux injustes pour être puni le jour du jugement. Alléluia. Donc vous comprenez que s'il y a beaucoup de conceptions par rapport à l'autre, des faux enseignements qui se donnent, qui croient que l'autre, c'est nécessairement quelqu'un qui ne marche pas bien avec Dieu. C'est écrit là, c'était injuste. Il était tourmenté. Mais qu'est-ce qu'il a dû faire là-bas? Pourquoi il s'est retrouvé au milieu de ces gens-là? Pourquoi il a choisi d'aller là-bas? Amen. C'est que nous allons voir aujourd'hui parce qu'il a manqué la sagesse. Il avait une courte vue de vie. Il voyait les choses d'une manière comme des clichés. Il voit juste la vie. Je vois, c'est beau ici, je cours à droite. Amen. Un enfant de Dieu va avoir le discernement de voir plus loin que la situation que tu vois maintenant. Si l'on s'est retrouvé dans des problèmes, jusqu'à l'introduction, c'est à cause de manque de jugement. Il manquait de jugement. Car s'il était comparable à ce qu'on peut appeler aujourd'hui un chrétien charnel. Un chrétien charnel, c'est un chrétien. Mais il est charnel. Il voit les choses d'une manière charnelle. Et c'est pourquoi les conséquences, il a des problèmes dans la vie parce qu'il ne peut pas comprendre que depuis qu'il est né de nouveau, sa voix, sa vie, c'est une vie spirituelle. Il doit suivre la voix de l'Esprit. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont les fils de Dieu. Alléluia. Amen. C'était ça les règles de l'autre. On va y entrer en profondeur plus tard. Je vais juste vous montrer que d'abord, juste, j'appelle ça mise à jour dans vos cerveaux, dans vos têtes, dans vos cœurs. L'autre n'est pas un impie. Comme c'est un groupe appelé, je ne sais pas comment, spirituel en celle-là. N'est pas un impie. C'est un juste. Il était tourmenté, mais il était déjà fait. Il était déjà parti à cause d'une erreur de jugement. Alors, on va voir, et on va entrer en détail, qu'est-ce qui a poussé l'autre à se retrouver là où il s'est retrouvé. Alléluia. Donc, on peut dire avec joie que l'autre, c'est un frère bien-aimé, c'est un juste. Mais un juste qui a manqué de jugement, qui a manqué de sagesse. Alléluia. Amen. Gloire. C'est pourquoi quand vous venez de la chrétienté, la première chose, vous devez devenir sage. Vous ne pouvez pas devenir chrétien et demeurer la même personne avant. Là, Jésus a dit simplement, voyez les fils de la rébellion, comment ils sont prudents. Hein? Ils sont prudents. Il dit, soyez prudents comme les serpents. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va entrer en détail que Dieu soit loué pour cet enseignement. Alléluia. Donc, il était attristé parce qu'il voyait à Sodome. Donc, il n'est pas un méchant. Amen. Nous ne parlons pas de quelqu'un de méchant aujourd'hui. Nous ne parlons pas de ton frère qui t'a fait de coups bas. Nous parlons de quelqu'un qui craint Dieu, mais qui est un ombrage pour toi par contre de manque de sagesse. C'est ce qu'on appelle dans la Bible Lot. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alors, voyez que quel est le lien qui a uni Lot à Abraham? Vous savez que leur papa s'appelait Terah. Il avait 3 enfants. Ok? Ils sont d'accord, Aram et Abraham. Aram, c'était le papa de Lot. Il est mort. Il a laissé un neveu. Lot, Terah, c'est le papa qui a hérité du neveu, comme de ses enfants, avec ses enfants. Mais Terah, quand Dieu a dit, Abraham, quitte ta famille, Abraham a pris sa femme Sarai, ce qui est tout à fait normal, mais il a pris aussi le neveu et tout ce qu'il possédait pour quitter. Alléluia. Donc le lien d'Abraham avec l'autre, c'était un lien familial. Nous allons beaucoup plus parler des liens familiales, comment ça peut être un frein pour un développement spirituel. Comment tu dois te comporter avec ta famille quand tu es né de nouveau? Les hommes ont dit, fouillez tous parce que c'est des sorciers. Je suis allé en 2009 à Kinshasa, une de mes cousines, je dois connaître, qui est médecin. Et puis sa maman est venue me voir et dit, sa fille ne lui envoie pour rien parce qu'on lui a dit là-bas, là, il priait que c'était une sorcière. Alors j'ai montré à sa maman, il y a un passage de Matthieu et ma Marc 7, qui montre simplement que honore ton père et ta mère, c'est une loi de Dieu. La Bible ne dit pas d'honorer ton père et ta mère parce qu'ils sont bons ou sont mauvais. La Bible dit de les honorer. Parce que quand tu es né, là, tu n'étais qu'un petit rien là. Même des fois, ils étaient même dans la bière quand tu es né. Amen. David a dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Et David était un pécheur à la fin. Non.
Alléluia. La manière dont tu es venu là, ce n'est pas ton problème. Toi, aujourd'hui, si tu es en Christ, tu es une nouvelle personne. Tu dois honorer ton père et ta mère. Alléluia. Amen. Alléluia. On revient donc. Aaron, donc, était mort. Et puis, Abraham a pris Lot et il était avec lui. Amen. Donc, nous pouvons dire que Lot entre dans un décor familial. C'est-à-dire que Lot est venu dans la vie d'Abraham parce que c'était son neveu. Amen. Alléluia. On va maintenant dans, alléluia. Vous allez voir ça dans Genèse chapitre 11. Rapidement. Verset 26. Terak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nakhor et Haran. Amen. Et puis, verset 28. Haran mourit en présence de Terak, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Retenez ces noms-là, vous allez comprendre beaucoup de choses enseignées aujourd'hui. Abraham et Nakhor prit des femmes. Les noms de la femme d'Abraham étaient Sarai. Les noms de la femme de Nakhor étaient Milka, fille d'Aram, père de Milka et père de Jiska. Sarai était stérile, n'avait pas d'enfant. Terak prit Abraham, son fils, et Lot, le fils d'Aram, fils de son fils, et Sarai, sa femme. Et il sortit des pays de Chaldée pour le pays de Cana. Première immigration. Ils arrivent jusqu'à Charan, où ils habitaient. Tous les jours de Terak fut de 205 ans et Terak mourit. Amen. Donc Abraham a hérité d'un neveu. L'amour pour la famille doit être des plus fortes. Et beaucoup des enfants de Dieu manquent de serment par rapport à ça. Tu ne gagneras jamais spirituellement si tu ne traites pas ta famille spirituellement. Tu vas les aimer, d'ailleurs tu ne vas plus les aimer quand tu vas les traiter spirituellement. Parce que spirituellement, tu vas. Par exemple, dans l'amour, la vie de l'amour, ça ne réjouit pas de l'injustice. C'est réjouit de la vérité. Si ta famille, les gens font mal, tu vas dire qu'ils font mal. Tu vas pas dire qu'ils font bien parce que c'est ta famille. Alléluia. Le plus que tu t'approches de Dieu, le mieux que tu deviens sera utile. Parce que toi, ta force, tu n'as aucune force en toi. Tu parles, c'est par toi que Dieu va délivrer la famille, mais toi, tu dois être correct avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous voyons que c'est un lien. L'autre était et son neveu. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez qu'avant qu'on arrive à l'histoire, il est dans le chapitre 13, c'est qui était le coup de la séparation aujourd'hui. Quand Dieu a appelé Abraham, au verset 12, il est écrit, il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je rendrai ton nom grand, et tu seras une grande source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toute la famille de la terre seront bénies en toi. Et Abraham partit comme le lui avait dit l'Éternel. Et Lot partit avec lui. Mais quand Dieu a donné l'ordre, va-t'en, ça veut dire quoi? C'est toi seul. Dieu n'a pas dit à Abraham, prends le neveu, va avec. Dieu a dit à Abraham, toi là, éloigne-toi de ta famille. Première immigration de Ur en Chaldée avec son papa. Demain, il y a une mission de Charan, maintenant, dans le pays que Dieu l'a montré. Nulle part. Il dit, toi, quitte. Ça veut dire qu'il est plus aisé de faire une démarche des fois seul que d'être en compromis avec les gens, vous savez ça. C'est moi j'ai dit à des gens qui ne sont pas encore mariés, ne sont pas encore pressés. Cherchez, connaissez Dieu, aimez Dieu. Vous allez aller plus loin avec Dieu quand vous êtes seul que quand vous êtes marié. J'ai assez de pas longtemps. Alléluia. Allez, cessez de pleurer. Amen. Amen. Vous êtes dans le ciel, est-ce qu'il y a un mariage dans le ciel? Non, on n'est pas comme les. Il y en a qui croient qu'ils vont avoir 12 vierges. Oh, ces gens-là qui mettent des bombes là. Non, nous, dans le ciel, il n'y a pas de mariage. Alléluia. Amen. Vous comprenez que maintenant Dieu a appelé Abraham tout seul. Abraham a commis la première erreur qu'il a commis, c'était d'amener Lot avec lui. À cause des sentiments familiaux. Et c'était justifié humainement qu'il amène Lot. Très, très justifié. Parce que c'est la femme de son frère que son père a hérité. Son père est mort. Et c'était l'homme de la maison. Il était là. C'est tout à fait normal qu'il amenait Lot. Mais l'autre n'était pas un enfant, il était déjà adulte. Dieu ne fait pas les choses à moitié là. Il pouvait laisser l'autre là où il était et aller dans son chemin. Mais il a pris l'autre avec lui. Amen. Est-ce qu'Abraham pouvait savoir que l'autre avait quelque chose de mauvais à lui? Non. Vous allez vous mettre dans la Bible, dans les versets, la Bible donne les 7 qui m'ont conduit à m'enseigner jusqu'à 11 heures. Je suis dans le bureau et ajouté les choses qui m'enseignaient par rapport à l'autre. On a précisé l'autre, c'est pas un méchant gars. Lot vivant avec Abraham, devait avoir une certaine crainte d'un Dieu qu'il ne connaissait pas. Mais lui ne connaissait pas ces dieux-là. C'est celle d'Abraham à l'époque qui avait relation avec
Dieu. On peut considérer que notre, c'était un gars qui vivait bien, mais qui ne connaissait pas Dieu exactement. Aujourd'hui, on peut le classifier dans un chrétien charnel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, le rêve d'Abraham était d'amener l'autre avec son affaire. Qui ne peut pas... Je suis déjà très vite là. Alléluia. Je vais aller lentement. Amen. Allons dans Actes chapitre 7, verset 3 à 6. Amen. La seule personne qui peut t'accompagner dans ton appel, ce n'est pas une personne, c'est l'autre, toi-même, qui est ta femme. La Bible dit, l'homme quittant son père, sa mère, sa mère, il devient une seule chair. C'est la seule qui peut amener dans ta destinée. Pas les frères, pas les petits. Non. L'autre a pris le neveu, il a amené avec lui. Un neveu adulte. Mais ça a causé beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. Alors, dans Actes chapitre 16, on va voir un peu juste pour partager. Je suis en train de forcer les enfants de toujours aller dans le Nouveau Testament, de laisser un peu l'ancien. Bon, lisez le Nouveau et retournez à l'ancien. Mais je veux que vous possédiez le Nouveau Testament. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Actes 7, verset 3. Amen. C'est la même histoire que les diacres chrétiens racontent des siècles après, mais avant de l'appeler. Il dit ceci, dit, Étienne répondit, « Oh mon frère, écoutez, le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham lorsqu'il était à Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Il lui dit, quitte ton pays et ta famille. Va dans le pays que je t'ai montré. » Amen. Ils sont des pays des Chaldéens, s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu les fit passer dans le pays que vous habitez aujourd'hui. Amen. C'est la même histoire qu'Étienne a commencé avant qu'il ne traite des Juifs, des méchants, pour leur montrer comment l'amour de Dieu s'est manifesté pour eux. Alléluia. Amen. Je disais donc que dans l'erreur pour nous, si on parle de l'autre aujourd'hui, d'une manière, je dirais un peu négative, c'est parce qu'Abraham a manqué le discernement. On ne peut pas le condamner, il était comme un bébé né de nouveau. Dieu lui a parlé, je fais une nuit, il dit tu vas quitter. Il n'avait pas d'expérience avec Dieu. C'est tout à fait normal que tout ce qui est charnel, sentiment, puisse être là. Même toi dans ta vie là, c'est plus des gens grandissent spirituellement qu'ils prennent des distances par rapport à tout ce qui ne va pas bien dans les familles. Les bébés spirituels, tout le temps, les liens. On se tue pour ces gens-là. Les coups de fil arrivent, tu ne dors pas. Mais tu dors tranquille. Est-ce que tu peux régler les choses qui sont au Congo? Non. Alléluia. Plus tu grandis spirituellement, plus tu prends les distances. Et plus tu l'air sera, tu vois, les témoins de Judith étaient quand même très évoquants. Comment c'est une grande sœur peut prendre le temps de jeûner pour sa petite sœur? Ils ne sont pas ensemble. La première chose qu'il va parler, il dit, quelle est la vie de la petite sœur? Quand tu vas lui parler, parle d'abord de la repentance de l'obéissance. Je lui ai parlé ça clairement. Parce que la prière ne marche pas quand il y a une rébellion. Vous voyez un peu? Et Dieu a fait grâce à la fin. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première erreur. Donc, toi, quand Dieu t'appelle là, c'est pas automatique. Il a fait une promesse, certes. Crois au Seigneur Jésus qui sera avec toute ta famille. C'est une promesse. Ça va arriver tranquillement, tranquillement. Dans ma famille, c'est mon petit, que leur oncle, ils appelaient le blanc, qui était le premier à donner sa vie à Jésus-Christ. Et moi, à l'époque, quand ils allaient dans les vieilles prières, je les chassais le soir. Je dis, si vous allez là-bas, vous revenez si vous ne dormez pas ici. Vous voyez un peu? Fait à son âme, et quand je dis je suis là en train de prêcher la parole, vous voyez un peu. Donc, c'est pour dire que toujours quelqu'un qui donne sa vie véritable. Je ne parle pas de la religion, je ne parle pas d'aller à l'église, je ne parle pas d'avoir la relation personnelle avec Jésus-Christ. Et quand tu as commencé, la promesse va se produire dans la famille. Mais toi, sois sérieux avec Dieu. Dans ton appel, les gens ne t'accompagnent pas. C'est toi avec Dieu. C'est pas l'enseignement du mois passé, très important. La relation personnelle avec Jésus-Christ, tu ne joues pas avec. Amen. C'est la chose qui va te souvenir toute la vie. C'est avec ça que tu vas voir Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors ça, c'était la première erreur d'Abraham. Et la deuxième erreur, vous voyez que Dieu, quand il donne des ordres, Dieu n'est pas un homme. C'est Dieu. Regardez, c'est Dieu là dans l'Ancien Testament, quand il a parlé sur la montagne d'Horeb, comment les gens étaient en train de trembler. Amen. C'est pas parce qu'il s'est manifesté à la parole en Jésus-Christ qu'il peut nous parler que vous pouvez prendre Dieu comme n'importe quoi là. On ne joue pas avec Dieu. La révérence est à Dieu. La gloire est à Dieu. L'honneur est à Dieu. Vous comprenez un peu? Alors, quand Dieu donne un ordre détaillé, tu dois pouvoir comprendre qu'est-ce que Dieu a dit dans le détail.
et puis obéir dans les détails qu'il a donné. Allez, si tu n'obéis pas, il n'y a pas d'outcome, il n'y a rien qui va arriver après. Alléluia. Vous souvenez de Naaman, il a dit, allez voir le prophète. Le prophète a dit, va plonger 7 fois. Mais il était fâché. Dieu a dit 7 fois. S'il n'avait pas plongé 7 fois dans l'eau, ce ne serait pas arrivé. Mais Dieu a dit à Abraham, va-t'en. Abraham regarde, oh, mon petit cousin m'a donné lui, il est orphelin. Mais il est, c'était un adulte déjà. Et ce sentiment familial, ça peut vous jouer des tours énormes dans les choses. Au fur et à mesure que vous grandissez, ça doit mourir. Je ne vous dis pas de devenir comme les gens de ce groupe-là qu'on appelle les combats spirituels au Congo. Là. Non, je ne vous dis pas ça. Ça va mourir dans le sens que quand quelqu'un vous appelle avec des choses de la famille, mets une barrière, écoute ici et puis discerne, demande à la sagesse de Dieu avant de répondre. Simplement. Mais bon, c'est de la prière que tout se règle. Amen. Je ne sais pas, Abraham, à l'époque, il n'avait pas vraiment compris c'est quoi la prière, mais il avait quand même invoqué l'Éternel. Mais les règles qu'il a compris, c'est de prendre l'ordre avec. Je précise, l'autre c'était injuste, c'était pas un méchant, mais il venait avec un ombrage qui empêchait Abraham d'atteindre sa destinée. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, amen. Oh, manakaya. Alléluia, allons un peu dans. Oh, manakaya. Vous voyez que juste je vais précipiter un peu l'enseignement, allons un peu dans Genèse 19, puis on va revenir sur l'autre. Pour vous comprendre et pour vous expliquer que quand Dieu donne des ordres, il faut les respecter dans les détails près. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Il te parle, mais tu ne peux pas suivre ça. Ne demandez pas. Si tu demandes, Seigneur, parle-moi. Quand il te dit, parle, coupe ceci, coupe cette relation, coupe-le. Il y en a qui t'a fait grâce ici, hein, question de niveau. Dieu leur a monté en vision des gens, moi, qui étaient très proches comme ça. Coupez. Ils ont obéi Dieu, merci. Amen, mais ça a été Dieu pour eux. Ces gens, ils ont conduit comme ennemis. Mais ils sont bien maintenant. Là. Amen. Dans vos amitiés, là, depuis l'enfance, oh, c'est ma copine depuis l'école secondaire. Qui ne sait pas qui est ta copine? Mais vous êtes déjà adulte maintenant. Là. Amen. Elle est mariée avec son mari, mais elle, tous les jours, il doit chercher à causer avec toi. Il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Des fois, Dieu te révèle, mais tu ne peux pas croire. Oh non, c'est juste un rêve. J'ai juste fait un rêve. Faites attention. Prenez pas les choses à la. Et puis, les rêves, c'est une manière que Dieu parle aussi. Mais ça demande beaucoup de discernement, bien sûr, c'est pas comme les visions. Mais quand tu rêves quelque chose d'anormal sur quelqu'un, ne dis pas, oh non, c'est juste un rêve. Puis, Dieu va préciser. Parce que Dieu, quand il donne les ordres, même dans l'état, il faut les respecter. Voyez un peu ce qui est arrivé à la femme de l'homme. Et juste, on va y arriver après. Et Genèse 19, verset 26. Amen. Alléluia. Genèse 19, verset 26. Gloire à Jésus-Christ. Là, voyons un peu au verset 17. Après les avoir fait sortir l'un d'eux, les anges sont allés chez l'autre. On va y revenir en détail. Sauve-toi, nous sommes avec l'autre pendant 5 dimanches. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière. Ne t'arrête pas dans la plaine. Sauve-toi vers la montagne des pères que tu n'es périsse. Ne regarde pas en arrière. L'ordre était donné à qui? À Lot. Pourquoi à Lot? Parce que Lot était le chef de la maison. Donc Lot devait transmettre l'ordre à sa femme. Dieu a dit, on ne regarde pas en arrière. Quand nous sortons d'ici là, nous ne regardons pas en arrière. Mais sa femme en cours de route, elle a fait, et elle sent boum, le bruit, le feu. Vous savez que cette femme-là a eu des enfants qui sont restés. Il y a certains enfants de Lot qui étaient mariés. Il y a des Sodome qui sont restés. Elle est sortie avec ses deux filles qui n'étaient pas encore mariées, qui étaient avec la maison. Donc, les sentiments étaient très forts. Et ça l'a poussé. Humain a peut-être pour avoir. J'ai toujours dit, humain a pour avoir tout le temps raison. Mais pas devant Dieu. Quand Dieu donne un ordre, même si humainement tu as raison, c'est raisonnable, tu obéis à Dieu. Et il a régalé, devenu un bloqueur. Et c'est. On va rentrer en détail plus tard pour ça. Je vais vous montrer que les détails de chaque ordre que Dieu te donne dans la vie, si tu ne les prends pas, ça va te créer beaucoup de problèmes. Si vous ne cherchez pas des révélations, allez dans les lignes traditionnelles, là où Dieu ne parle pas. Si vous allez aller à un endroit où Dieu parle et que Dieu a parlé, où vous avez vu une vision d'une histoire comme qui n'est pas normale, vous avez laissé passer la chose, vous n'avez pas prié, vous allez étonner comment est-ce que vous allez dans des problèmes. Vous dites, ah, pourquoi Dieu m'a abandonné? Mais Dieu t'a pas avisé où tu n'as pas prié. Alléluia.
Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons au principe. Maintenant, le premier principe, nous voyons comme nous avons commencé l'introduction. Ta destinée est toujours individuelle. Toujours individuelle. Amen. Quand tu deviens marié, tu as un accompagnateur qui est ta femme, une accompagnatrice qui est ta femme. Amen. Mais ta vision, elle est toujours individuelle. C'est à toi que Dieu montrera les choses. Si tu es une femme, la même chose, tu es tout le temps ta destinée individuelle. Il n'y a pas de destinée commune avec des amis, il n'y a pas de destinée commune inclusive familiale du monde. Amen. Mais Dieu a besoin des individus parce que le salut est individuel, l'appel aussi est individuel. Alléluia. Dieu t'appelle seul et il te fera accompagner lui par qui il veut que tu sois accompagné. Alléluia. Par l'appel, on veut parler de ce que Dieu te fait que tu fasses dans la vie, pas nécessairement à l'église, même dans ta vie. Amen. C'est Dieu te fera accompagner. Les grands hommes d'affaires chrétiens qui sont aux États-Unis ailleurs, les grands hommes d'affaires, même quand ils choisissent des collaborateurs, ils prient pour que Dieu les envoie à leurs collaborateurs. Amen. Même le petit homme d'affaires, notre frère Didier, quand il devait choisir un employé, il m'appelle toujours. Il dit, il faut prier que ce soit bon, que ce soit celui que Dieu envoie. Alléluia. L'erreur que tu peux commettre que dans ta destinée, tu te retrouves avec quelqu'un qui n'est pas destiné à être dans ta destinée, ça va freiner beaucoup de choses dans ta vie. Et ça, là, c'est pas, ça demande simplement à la sagesse de s'éloigner. Ça ne demande même pas de délivrance. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler, parce que je comprends tout ce que j'ai dit avec l'exemple public. Alléluia. Vous savez que Moïse, quand il était dans le buisson ardent, il était avec qui? Il était avec qui? Tout seul. Dieu l'a parlé tout seul. Et puis il dit, Seigneur, envoie qui tu veux, moi je ne sais même pas parler. Amen. Dieu dit, va, ton frère Aaron va t'accompagner. C'est Dieu qui a dit d'Aaron puisse accompagner Moïse. Alléluia. La même chose, le grand exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez les disciples là. Jésus, avant le choix des disciples, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié toute la nuit. Pourquoi? Pour demander la volonté du Père. Parce que le Père, Dieu connaissait lui, étant, il est Dieu, il était sur cette terre, rempli du Saint-Esprit, il avait venu de parler au Père pour que le choix des disciples soit ce qui est agréé de Dieu, qu'il ne commence pas les erreurs parce que l'humain était en lui. Il a prié toute la nuit, il a fait le choix des disciples. Et la destinée n'a pas manqué, nous avons demandé juste aujourd'hui. Alléluia. C'est pour vous dire simplement que l'erreur d'Abraham là, vous pouvez le connaître tous. Alléluia. Des fois, vous savez qui veulent être des prophètes là, si vous n'avez pas beaucoup de mauvais effets des dégâts, tu peux arriver quelque part, Dieu te montre déjà la personne qui est en face, qu'est-ce qu'il y a dans la cœur. Alors si tu n'as pas la sagesse, tu vas peut-être fuir. Mais derrière cette personne qui dit le monde, qui dit, c'est aussi peut-être mon servant et ma servante. Mais là, toi, fais le travail de Dieu. Et que cette personne passe à une délivrance sérieuse. Amen. J'ai eu rarement des enfants spirituels qui sont venus d'un séminaire. Tous mes enfants spirituels sont venus vraiment du monde, vraiment du monde. Mais après, la délivrance, les gens croient que c'est des gens qui sont nés dans des couvents. Ils ne sont pas nés dans des couvents. C'est des enfants du monde. Alléluia. Que Dieu a transformé. Mais quand tu vois ces gens-là, vous voyez que